Et maintenant, eh bien, Ludivine Furnan qui s'est montrée la plus compétitive lors du concours général hier. Elle a remporté la première place, plus compétitive et plus complète. On connaît ses possibilités au sol puisqu'elle a été médaille de bronze au championnat du monde à Sabaé en 1995, juste avant les Jeux. Et désormais, eh bien, elle étale ses possibilités. Aïe, 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 le catch-off manqué. C'est pas le catch-off. Si, si, le franchissement dorsal, le catch-off. Mais oui, elle l'a manqué. Et pourtant, elle avait bien la barre dans les mains. Peut-être que le bourrelet n'était pas passé, le ralentissement. Ah, j'allais dire qu'elle devient compétitive à tous les appareils, la poutre et les asymétriques. Eh bien, décidément. On la reverra tout à l'heure au sol, elle va sûrement nous présenter une autre évolution, mais voilà, pour Ludivine Furnan, la Nîmoise, avec, regardez le rattrapé de barre. Ah, elle est sur le bout des doigts, elle n'a pas placé son bourrelet, elle n'a pas pu assurer la prise.